moi de vous retrouver au milieu de mon temps sabbatique et de faire cette pause en mon temps sabbatique, si je puis dire, pour vous retrouver avec bonheur pour ce culte de rentrée, jour de joie pour toute notre Église. Aujourd'hui, vous êtes présents, alors masqués, présents, distancés. D'autres nous regardent en direct sur Facebook ou sur YouTube et je voudrais saluer chacune et chacun. Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, donne-nous ta force, qu'elle se saisisse de chacun de nous, et nous serons découvrir dans le monde des signes de ta présence. Qu'elle bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec elle nous ferons toutes choses nouvelles. Mais qui es-tu, Seigneur? Toi que nous cherchons, toi dont le silence parfois nous trouble, tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau. Et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer et l'espérance de la justice. Nous te savons là, à nos côtés. Présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, ni cerner par aucune certitude. Toi qui franchis les murs et traverses les cœurs, sois au milieu de nous comme l'ami important, comme l'absent espéré. Laisse-nous te trouver dans le mot, le regard ou le pain partagé et donne-nous aujourd'hui la grâce et la paix. Amen. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur avec le premier instantané. C'est la page 566.
strophe 1. Que l'amour vient de toi,
que l'espérance vient de toi. Amen.
Psaume 25, versets 20-21. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 11 à 13. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque d'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transforme les montagnes, s'il me manque d'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour rend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne blasphème pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc, ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance, et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 35-20, les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4, 35-20.
ces textes et ce thème m'est venu parce que, justement, en préparant ce culte, j'ai relu effectivement les textes de l'année dernière et cette vallée des ossements dans Ézéchiel 37 m'a paru d'une cruelle actualité. Effectivement, dans ce monde où on se balade masqué, on a l'impression d'être tous un peu des squelettes au fond. Ce texte résonne encore plus, il est plus proche encore de nous. Et l'espérance que nous avons mis comme mot programme pour notre année 2019-2020, oui, nous l'avons tenue. Mais nous avons tous un sentiment peut-être d'inachevé, d'un étranger. Même si les uns et les autres, nous nous sommes adaptés pendant le confinement et après, et nous avons trouvé de nouvelles formes d'église, et d'ailleurs, nous allons bien sûr avec le conseil en tirer toutes les leçons et peut-être prolonger certaines formes que nous avons inventées. Mais notre monde, on le voit bien, on le voit bien encore dans les rues de Paris, ne va pas bien. Mais qu'en faire? Est-ce qu'on peut se morfondre devant les infos en boucle, devant nos télévisions ou nos radios? Ou bien oser quand même, malgré tout encore, réitérer le mot espérance, quitte à passer pour un grand naïf, mais nous sommes habitués, à la limite du bonheur. On peut se persuader qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Écoutez un professeur médiatique qui adore, donc je ne vais pas citer son nom, qui dit non, deuxième vague impossible. Voilà, on y est. On peut appliquer la méthode Coué en disant je vais bien, on va bien, écoutez Rabiot. C'est pas si facile. L'être humain est incroyable en cela. Dès qu'il rencontre des périodes comme celle que nous vivons, il invoque immédiatement la responsabilité des autres. Et quand il les épuise, il invoque aussi l'enfer, les anges, les démons, ou même le gouvernement. Les gouvernements, on nous ment. Et puis, moyen emploi, on va continuer à faire la fête comme si de rien n'était. L'être humain est quand même drôle d'animal. Eh bien, le christianisme que nous voulons défendre ici, l'évangile tel que nous le comprenons, n'est pas cet évangile qui donne réponse à tout. Peut-être est-ce dommage, mais c'est ainsi. Au contraire, c'est d'abord un miroir de notre humanité, cet évangile. De notre humanité à laquelle Dieu a pourtant choisi de s'attacher de manière définitive. Et cet amour est d'abord reçu. Comme le décrit la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, l'espérance qui est rattachée, et l'espérance est d'ailleurs l'un des rares mots employés par tous les chrétiens, et je dirais même par toutes les religions. On ne peut pas imaginer une religion, une théologie, une foi, qui ne mette pas au cœur de son affirmation la notion d'espérance. Mais tout comme les mots Dieu, Christ, il existe une incroyable variété d'approches. Des plus fondamentalistes, aux plus libérales, en passant bien sûr par des théologies sociales ou autres, qui en ont fait en tout cas toujours le cœur de leur affirmation et de leur action. Mais nous n'avons pas, nous chrétiens, nous protestants, nous abatignoles, le monopole de l'espérance. Celle-ci peut être portée par bien des discours et des idéologies différentes. Voilà pourquoi la démarche proposée ici part de l'être humain, de son environnement, de sa réalité, de sa profondeur. 1 Corinthiens 13, il faut toujours le rappeler, parce que j'ai encore lu ce texte hier dans un mariage ici même, ne parle pas d'abord de l'amour humain, l'amour qu'on peut se porter les uns aux autres. Il parle d'abord de l'amour de Dieu pour l'humanité, l'agapé, non pas l'éros. C'est donc cet amour de Dieu qui est inconditionnel et qui peut nous construire ou nous reconstruire au travers des périodes que nous vivons. Je voudrais partager avec vous trois remarques, trois questions. D'abord, c'est quoi l'espérance? Le verbe espérer vient du latin spero, qui au début voulait dire en général attendre. Ce sens d'ailleurs se retrouve dans le langage des marins, comme dans celui de certaines régions du midi de la France où on dit espérez-moi. Mais aussi d'ailleurs, curieusement, ça j'ai découvert il y a quelques ans, en espagnol, peut-être parmi vous les gens qui parlent espagnol, une salle d'attente chez un médecin s'appelle une salle d'espérance. Marquez, c'est mieux pour aller voir son médecin d'avoir un peu d'espérance. Mais j'aime bien cette idée que dans l'espérance, il y a, c'est vrai, cette dimension d'attendre. Nous attendons la fin de la pandémie. Alors remontons plus loin que là, remontons à l'hébreu. Il arrive que nos versions rendent occasionnellement par espérer ou espérance
les termes hébreux dont la racine exprime l'union voisine. Ainsi, bata, par exemple, qui signifie un état de tranquille sécurité, de confiance, presque de foi. C'est aussi cela l'espérance, une forme de sérénité qui n'est pas toujours facilement acquise d'ailleurs. Il y a aussi kazan, qui évoque les reins et là l'idée de s'appuyer, l'idée de solidité, quelque chose sur lequel on peut effectivement s'appuyer et ne pas avoir le sentiment dans nos vies d'être comme dans des sables mouvants, d'avoir des fondations solides et d'avoir les pieds sur terre. Mais c'est essentiellement un troisième mot, tikva, en hébreu qui désigne proprement l'espérance. La racine de ce mot, d'ailleurs, évoque la tension comparable à celle d'une corde, ou plus précisément d'une attache, d'une ancre, par exemple, de bateau, qui se trouve aussi dans notre verbe « attendre ». C'est la patience ferme, endurante, tournée vers un bien à venir. Car c'est cela, au fond, l'essentiel de l'espérance. C'est une sérénité, c'est une solidité, c'est une patience, mais c'est autant une action. On ne va pas attendre la fin de la pandémie, on va la combattre. On va avoir les gestes responsables, on va faire ce qui est nécessaire, les uns et les autres, chacun à son niveau de responsabilité, avec bien sûr le tâtonnement que nous avons tous. Alors cessons d'accuser tel ou tel, sous prétexte qu'il a fait des erreurs, mais qu'il n'aurait pas fait à la place d'un autre. Deuxième question, deuxième remarque, l'espoir. En français, la langue, notre langue, confond souvent ces deux mots, espoir et espérance. Pourtant, tous les opposent. Ne dit-on pas par la situation vraiment désespérée que l'espoir finit. L'air de dire qu'il n'a en fait plus rien à faire. L'espoir relève en effet de l'impossibilité humaine d'agir sur le lendemain, en sachant que notre comportement dans les heures à venir, finalement, n'y changera rien. L'espoir, c'est un moi sécurisé. C'est baisser les bras. On peut aussi avoir l'espoir à venir avec d'autres trucs, en s'auto-persuadant. Hélas, d'ailleurs, le christianisme s'est trop souvent, disons-le, laissé aller à cette passivité en maintenant, par exemple, des peuples entiers dans la misère, en leur faisant miroiter un espoir de paradis, mais bien sûr pour plus tard, et surtout pas pour aujourd'hui. Certaines formes de prière aussi, disons-le, peuvent laisser croire que Dieu fera tout. Le constat, par exemple, d'une non-guérison pourtant souhaitée, priée, invoquée, n'en est que plus amère. Affirmer la toute-puissance de Dieu et l'impuissance humaine peut générer de la culpabilité et de la souffrance. Ai-je mal prié alors? Qu'ai-je fait pour mériter mon destin? Qu'ai-je fait pour Dieu pour mériter ça? L'espoir peut engendrer aussi une forme de procrastination, une manière de remettre à plus tard ce que l'on devrait faire aujourd'hui. Eh bien, notre christianisme, à l'inverse, a fait le choix de l'action à entreprendre pour construire le lendemain sans attendre les bras croisés et la raison en berne. Effectivement, en 2020, nous nous sommes les uns les autres adaptés. Nous avons fait les efforts nécessaires pour nous adapter aux situations nouvelles avec la veille téléphonique que nous avons mise en place, avec les cultes de méditation, avec la domiciliation qui a repris dès qu'elle a pu, avec un certain nombre d'actions comme cela, où nous n'avons jamais baissé les bras, nous avons toujours voulu agir pour tous et pour le service de l'Évangile. C'est cela notre espérance, c'est d'avoir agi. Pas de cette vie, nous sommes confinés, alors nous allons confiner notre foi et confiner notre action. L'espérance, c'est aussi une manière de comprendre l'être humain. L'être humain a une existence propre, il n'est pas une marionnette. Il détient cette capacité d'agir et de réagir. On peut évoluer dans un environnement donné. Notre liberté fonde notre humanité et nous permet chacun, chacune, de nous distinguer d'ailleurs des autres animaux. Nous ne sommes pas dans la pure nécessité. Nous sommes dans le plaisir aussi. N'abandonnons pas le plaisir, ne faisons pas les choses que parce qu'il faut vivre, manger, dormir, se reproduire. Mais nous faisons les choses aussi par enfant. Il n'y a pas un destin qui nous tombe sur la figure et que nous devons suivre sans possibilité d'ouvrir des portes et de prendre le petit chemin de traverse. Mais l'espérance est aussi une foi, une théologie. Le christianisme reprend à son compte cette thématique du désir de vivre,
de transformation, jusque dans le chaos de Genèse 1, qui n'est pas que les origines, comme je le dis souvent, mais le reflet de tous les chaos de notre vie, personnelle, de nos deuils par exemple, de nos situations de maladie, de notre situation aujourd'hui sociale, économique, tout cela, c'est une forme de chaotisation du monde. Et ce texte affirme qu'il y a une possibilité de dynamisme recréateur avec ce souffle de Dieu qui tournoyait au-dessus des eaux. Autrement dit, le texte biblique évoque un Dieu qui est volonté positive au-delà du chaos. Dieu n'est pas le Dieu du Covid, n'est pas le Dieu qui veut la souffrance, il n'est pas le Dieu qui envoie une épreuve, une punition, que sais-je, mais il est le Dieu qui accompagne, qui nous accompagne jusque dans notre souffrance, jusque dans notre situation. Dieu n'est pas le Dieu de la maladie, il faut toujours le rappeler. Dieu n'est pour rien dans la maladie, mais Dieu est le Dieu de la guérison. Il est peut-être pour quelque chose, dans notre manière, dans notre énergie, à réagir et à combattre tout ce qui nous arrive. Jésus a ainsi fait des rencontres avec des personnes, elles-mêmes confinées, enfermées, dans des identités, le paralytique, l'aveugle, la pécheresse, et fait éclater ces identités, ces murs, pour proposer pour chacune, pour chacun, une nouvelle forme de liberté. Le Jésus des évangiles est presque toujours d'ailleurs en mouvement, en marchant, comme s'il refusait l'idée d'être statique. Jésus est inconfinable. Il n'est pas réductible à un état. Il n'est pas dénué d'existence, d'inévitable. Et bien notre espérance, l'espérance de l'humanité, est de ne pas se laisser condamner au chaos qui guette chaque instant de notre vie et de notre histoire. Je ne crois pas à un être humain incapable par lui-même de faire le bien, selon une expression de Calvin au XVIe siècle. Je crois plutôt à un compagnonnage de Dieu et de l'humain, qui ne cesse de nous construire et de nous rendre auteurs de notre propre vie, auteurs de notre propre société. Notre responsabilité est lourde aujourd'hui pour redresser ce monde et inventer et construire réellement le monde d'après, cette Église d'après. D'ailleurs, le mot autorité que nous reconnaissons comme l'une des fonctions divines vient aussi du verbe augmenté, qui signifie augmenter. L'espérance de l'avenir d'autre, augmenter notre désir, notre capacité, notre intensité d'existence. Alors en 2019, je voulais mettre notre année 2019-2020 sur le site de l'espérance. Je voudrais que 2020-2021 soit sur le site du désir. Soyons une église désirante. Ce serait pas mal d'enfin désirer. Et même quand on doit faire des choses, d'arriver à désirer ce que l'on doit faire. D'arriver à désirer venir au culte. D'arriver à désirer prier. D'arriver à désirer partager. Désirer reprendre des repas ensemble. Nous ne pouvons pas encore le faire, hélas. Mais ça viendra. Et en tout cas, tel est notre désir. Amen. Thank you.
confession tous ensemble, l'espérance qui nous anime, notre foi. Avec les témoins de Jésus-Christ et avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je vous invite à chanter.
comme le skipper pour son voilier. Ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Comme la fontaine dans le jardin, comme la bougie dans la nuit, comme le trésor dans le coffre, comme le puits dans le désert, ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Comme la musique dans la fête, comme le remède pour le malade, comme le vin dans le repas, comme la mère pour ses enfants, ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le 36-08, 36-08, 31 et 3. 1 et 3 pour 36-08. Ce pain que nous mangerons
est le signe que l'ensemble des différents nous formons et nous devenons à chaque instant le corps du Christ. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est le signe de son alliance éternellement et quotidiennement renouvelée pour chacune et pour chacun d'entre nous. Amen.
nulle part. Merci, et puis aussi rappeler que l'inscription
découvertes bibliques, exceptionnellement pour des raisons évidentes, ne seront pas lors d'un rendez-vous qu'on se donne, mais par mail, le mail étant envoyé à l'adresse du temple, temple-des-bâtiments@gmail.com, en donnant toutes les indications, l'âge de l'enfant, son adresse, l'adresse mail bien sûr, dans quelle classe il est, pour savoir s'il va à la découverte biblique ou au catéchisme. Donc par mail, d'ici la fin septembre, puisque nous reprenons le 11 octobre. Vous vous signalez aussi la deuxième biblique, hier il y a eu la première, animée par Florence Coupy, ce collègue d'Ecclésiaste qui m'appelle à la joie. Elle m'a dit que c'était plus la joie que le bonheur. Je lui demanderai la différence entre la joie et le bonheur, c'est une vraie question d'ailleurs. Et puis vous rappelez que malgré le fait que je suis présent aujourd'hui, malgré le fait que j'étais présent hier, malgré le fait que je serai présent dimanche prochain, malgré le fait que je serai présent toutes les semaines, je suis encore en temps sabbatique jusqu'au 31 octobre. Et si vous avez le moindre besoin, la moindre demande, vous pouvez faire appel à Florence Coupy, qui est à Paris en ce moment, puisqu'elle loge au presbytère. Et donc elle est à votre disposition pour toutes sortes de demandes. N'hésitez pas à la contacter. Et je voudrais aussi te remercier d'être présente pendant ces deux mois et de nous rendre ainsi un fier service. Merci beaucoup à toi. Je pense avoir rien oublié. La sorte, oui. Comme quoi, je suis encore un peu... Bon, oui, donc dimanche prochain, l'Assemblée Générale qui aura lieu, donc, c'est que normalement c'était au mois de mars, mais bon, on n'a pas pu le faire, il fallait le faire avant fin septembre, c'est légal, donc nous vous proposons dimanche prochain le 20 septembre, j'ai bien mis en gros que le culte est donc à 10h, le culte dure une demi-heure seulement, à partir de 10h30, il y a les assemblées de l'entraide d'abord et de l'association de culte. Et il y a des pouvoirs. Si vous ne pouvez pas être là la semaine prochaine, il y a dès aujourd'hui des pouvoirs qui sont à la sortie, que vous sortir de la main, des pouvoirs que vous pouvez signer pour donner votre procuration afin qu'on ait le nombre de votes nécessaires pour voter les grandes décisions, notamment budgétaires. Il y a encore autre chose peut-être. Oui, effectivement, j'avais oublié, mais j'avais parce que, et fait exprès, parce que c'est une triste nouvelle, nous avons appris ce matin le décès de Freddy Dumas, qui est décédé cette nuit, c'est Freddy Dumas qui avait quitté notre paroisse juste quand je suis arrivé, parce qu'on s'est croisé donc en 2011, qui était du côté de Rouen, et qui était un pilier incroyable de notre vie d'église, et notamment bien sûr de l'entraide, et notamment de la domiciliation, c'est-à-dire son fils qui gère le logiciel. Donc nous pensons beaucoup à cette famille que nous connaissons bien, c'est vraiment des amis de longue date, des compagnons de route. Et je suis assez triste d'apprendre cette nouvelle ce matin. Nous vous tiendrons au courant si nous aurons des informations concernant un culte d'action de grâce ou quelque chose, ou une manière pour nous en tout cas de nous manifester bien sûr auprès de cette famille d'amis. Donc, nous pensons bien à eux, à chacun d'eux, chacune d'eux. Ce temps difficile de deuil. Et je vous invite maintenant à nous unir dans la prière les uns avec les autres, la prière les uns pour les autres. Éternel, notre Dieu, nos premières pensées vont évidemment à la famille de Freddy Dumas. Calme leur tempête. Fais que cette tragédie tourne à la sérénité, se calme, comme la tempête qui s'apaise. Nous aimerions, nous aussi, nous vider de nos préoccupations, de nos deuils, de nos souffrances, de nos soucis, de nos inquiétudes pour aujourd'hui et pour demain. Nous voudrions être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Oui, nous te le demandons. Donne-nous cette énergie, cette force de libération, de recréation. Nous voulons te prier pour toutes celles et tous ceux autour de nous, et nous voyons bien qu'ils sont souvent inquiets, agités, parfois même révoltés. Mais te prie aussi, tout autant, pour ceux qui sont fraternels, détendus, équilibrés,
et pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, qui sont parfois fatigués, lassés, pour le peuple libanais qui vit tragédie sur tragédie. Nous te le demandons, chacune, chacun, donne-leur ta paix. Nous voulons aussi te prier pour notre communauté et sœurs, nos partenaires de Mekonakwe à Lomé, au Togo, qui ont connu une tragédie d'un incendie qui a détruit une partie de l'école, afin que nous puissions les accompagner dans notre prière et dans notre aide, et qu'ils puissent ne pas baisser les bras, et qu'ils désirent reconstruire. Maintiens toutes celles et tous ceux que nous connaissons dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit, où l'on donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci, ô Père, pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, la patience et l'amour que tu as pour notre monde et pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Et je vous invite à vous lever pour voir l'exhortation et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance, pour pratiquer son amour, pour donner aux autres le désir de vivre et le désir d'aimer et le désir de servir. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse, c'est possible. Car tu es proche de chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et pour terminer, je vous invite à chanter, que je retrouve, le 36-10, strophe 1 et 2 du 36-10.